allons poursuivre votre magazine Santé et Découverte. Comme promis, nous recevons pour vous Dr Fabrice Niembo, avec qui nous allons continuer de parler de la stérilité dans le couple. Bonjour docteur. Bonjour Madame Bobette. Nous avons promis à nos téléspectateurs de parler à notre prochain numéro, qui est celui-ci, de la stérilité féminine. Oui. C'est quoi la stérilité féminine? La stérilité féminine, c'est l'incapacité qu'a une femme de pouvoir concevoir. Alors cette femme-là, elle est en couple avec son mari, mais elle n'arrive pas à concevoir quand ils ont des activités sexuelles régulièrement. Jours. Pas tous les jours quand même, non, régulièrement. Régulièrement, oui. En respectant bon, les périodes. Ça dépend de couple. Hein. Oui. Il y a d'autres couples qui régulièrement pourraient, c'est tous les jours. Mais en respectant le période de fécondité de la femme. Voilà, exactement. Tout en respectant le période de fécondité de la femme, cette femme-là n'arrive pas à concevoir. On va parler d'une stérilité féminine. Et aussi, il faut tenir compte de paramètres que cette femme-là n'a pas eu à prendre des antiques ou des méthodes contraceptives, voilà. Ok. Là maintenant, si on suit de près une telle femme, elle est tokoti linga la pemba la mort pour la bataille balandina et potosa na RDC linga les a l'une de langue nationale. Ok. Bandeko bazo landa biso docteur a expliqué que moi si oyoyo ananda kwa libala a sali plus de 2 ans, c'est-à-dire 3 ans, troisième année à la capo. Est-ce que plainte principale et pas à moi si c'est Zalaka. Désir de concevoir pour ça au Kanga. Et pas à mon bal, de procréer. Mais pas à moi c'est ça de concevoir. Okay. Alors, ce qui a yé, après si plainte n'a yé, tu retard la haute bengi par antécédent n'a yé. Antécédent médico-chirurgical et puis gynéco-obstétrical. Alors, ce qui a tika la Kanga, c'est parce que stérilité peut pas à moi c'est ça dans 2 sortes. Dans la stérilité primaire, pas à moi si, stérilité secondaire, et pas à moi si. Donc, primaire, ce qui est à Tikala Kozoazemité, secondaire, ce qui est à Bota déjà. Alors, et pas à moi si, Wana, tant où aille à se faire consulter, tu refines la Mikuna en alliance. En même temps, tu refines pour Toyeba, cycle mensuel, naïe. Et ça, il y a combien de durées? Troyeba, cycle, la menstruation na yé, écoulement na yango ezalaka ya combien de jours, à quoi pour changer combien de bandes par jour. Yango peso kota na kota ya stérilité. Oui, non, surtout les autres jouent un rôle parce que en fonction de ma information, on a des éléments d'éléments où il peut permettre yé à poser autre bien la hypothèse diagnostique et puis ça y est, l'idée y a examen mais c'est bien bien c'est grave pour moi c'est à quoi pour ça là, Troyeba. Concrètement, c'est plutôt confirmer que le problème n'est pas là. Madame Oyo, ou bien moi si Oyo, ils ont un problème tel et puis tu vas vous soigner. Docteur, tu as aussi ça qui pour énumérer, tu as le bâti cycle menstruel, il y a combien de jours, à changer combien de serviettes hygiéniques par jour et puis. Et puis, tu as la. Dans le bel antécédent médico-chirurgical, et puis tu as aussi un facteur allergique parce que. Et ça, il y a un élément qui est moi si peut-être que notre traitement a supporté des allergiques, des molécules, des molécules, des molécules, des il faut tenir compte de la paramètre. Après, en décédant, tu as passé dans autre histoire de la maladie. Depuis quand a bandi pour nous pas zéné? Azui ni ni comme traitement. Faut tomber la même erreur ou peut-être ou bien même traitement ou une telle que ça m'emballe l'équité alors que à quel besoin et à non à l'angoté après ou un an des pour passer un examen physique. Examen physique ou n'est pas à moi ces années. Il faut te consulter moi si on a bandana moutou bandana souki si n'a l'inzaka, c'est bien bandana moutou si n'a ma faute. Toulukani, chaque partie dans notre évoqué sa biseau d'éléments ou même information. Oyo, et qu'on a là,
en faveur ou bien influencer les problèmes et la stérilité. Et ça, la cause, et ça, la base, mais ça, pour influencer les problèmes et la stérilité, n'a pas de couple. Tant que si c'est l'examen à Bissot, examen à moi, si et ce qu'il y a toujours par un toucher vaginal pour n'envoyer pas. Et il y a utérus, il y a annexe, il y a annexe, il y a trompe, il y a ouvert. Mais si c'est l'examen, il y a un autre, parce que l'examen est mis. Il y a laboratoire, il faut tout saigner. Soit, quand il y a ça, la échographie, quand il y a ça, l'examen à dosage, il y a hormone, quand il y a ça, l'examen à culture, pour n'envoyer pas qu'est-ce qui peut être à la base et pas à moi sur haut et pour à Zala. Na comprendre ce qui ne l'induit na monique traitement y a stérilité infertilité pas moi si ça pour les gars mobile bon et pas à moi si bah facteur y a infertilité isa et béné premier facteur y a infertilité et y a moi si d'abord celui moi sur azana bonbon sur azana bonbon est-ce que azana malformation congénitale ceux qui malformation congénitale les alliés aux alapas et quoi zazen et ça n'a pas la bimbo pour la bimbo qui en gros qui t'excuse ou ze moyen à libre la on a les gars les attitudes qui n'ont pas qu'à dégager les alliés bongo alors qui roco t'excuse ou ze rouen les années moi si à zan en zot on a y à zan à vagin à y mais communication à utérus ces athées est-ce possible bien sûr c'est une malformation congénitale moi je suis là où yo contact à utérus les athées vagin et ça y a qu'au cas moyens et médicaux à la côte et ça t'es pour et au côté la wapi attends lundi traitement non voilà il faut pas saler vraiment peut-être chirurgie plastique ce qui est a déjà évolué débat au salaire mais ce qui t'est et l'icône et mes pères moi si bien moi si on a et ça t'est attends lundi la insémination à côté au simba à possible basé l'été à possible basé l'été. Parce que déjà, dès le départ, complications, ils ont bandé déjà moyen, zémi kota, exacté. Ou bah pour ça là, autobengi, insémination, il faut bazoa, basangisa, spermatozoïde, basangisa tant ou sinon ovule, ou bien bazoa sperme yamuto, azo bota, ba déposer yango ya pour déposer. Mais wana nzelo ba spermatozoïde pour lequel les actes, parce que après rapport sexuel, éjaculation et ça les marques dans le milieu vaginal. Alors, à partir du milieu vaginal, bon, avant la coma place, il faut qu'on éclaircisse au moins des tailles. Il faut qu'on limbole la bise au bout de la bise. C'est vraiment important, oui. Il faut qu'on signe les locaux. Rapport sexuel, il y a moi aussi dans mon bal. Nde et de ma canazine. Mais poser moi na écoute. Spermatozoïde fois à la capacité à féconder. Pour spermatozoïde a la capacité à kokende ko féconder au vide. À ko kamaterno na glaire au moins ses obibis. La glaire cervicale. Glaire cervicale on dépend ça ka spermatozoïde capacité ya kokende pour féconder. Glaire wana ezo kitana niveau ya col. Et ça peut le coup la moindre de l'œil sur la spermatozoïde, va m'attaquer dans la colle. Voilà ce qu'on faut pour ça, pour passer ça, liquide tout le monde à la période d'ovulation. Pas seulement ça, mais ça liquide beaucoup plus et bimaka lorsque moi c'est comme une extase. Donc, ils ont moins ça, tinaming il y a pour ça le rapport sexuel d'ingé longo, moi c'est comme une extase parce que ça va comme une extase, là ils ont mis ça liquide. Sera comme une extase, t'es la jouissance na yé ou anate et que liquide ou anébini t'es spermatozoïde a rokamata a la capacité à fécondité ou anate. Osons mon un peu. Pourquoi ça m'a coupé le moussoussou? Ou bah les ans aillent bien, moi ça aillent bien, mais tellement que basa la rapport sexuel na bango, mou bah les os tenir compte y a moi si t'es à tenir compte y a plaisir na yé et qu'on crée peu de problèmes pour moi si on a pour voir. Donc, ils ont la communication entre le partenaire. Exactement. Pour que ne comprendre ni niveau faut ça, la 10 mois, c'est comme un niveau. Voilà. Alors, donc, moi, si on a si colo, et que, à une anomalie à malformation congénitale, moyen spermatozoïde doit aller à l'état. Exactement.
à cause de Ata basali nyonso. À cause de l'unité. Wana est la première cause, il y a malformation congénitale. Tout le bilan c'est une cause hormonale. Bah hormone 5, il joue un rôle, il y a qu'au coordonner cycle mensuel et pas à moitié. Tous en a l'étinante hormone, folliculostimulante hormone, progestérone, estrogène, la prolactine. 5 hormones sont très importantes. Alors, hormones sont des hormones qui sont en commande au niveau de l'hypophyse, sécrétion au niveau de l'ovaire. Alors, ce qui, moi, si on a un problème hormonal, c'est-à-dire à vous reproduire l'hormone, moi, vous avez peine un problème, vous avez un problème, vous concevoir. Parce qu'il faut, cycle mensuel, vous avez un problème de l'hormone. C'est vrai que cycle mensuel peut être hybride, nous sous peut aussi bien tout l'au-delà. Mais toujours, on a d'abord facteur hormonal où ils ont joué. Manifestation, il y a pas trouble hormonal et pas à moi, si on a un cycle mensuel. Alors, cycle mensuel, ils ont mine. Cycle mensuel, ils ont processus où ils ne marquent pas à moi, si on a la durée mon corps le mobile n'a sans agneau ça peut permettre que y ait bâti nous autres on aille et nous a pour fonctionner pour y embaser nous toutes ceux qui sont allés sauter nous a au premier la moi sur la côte la ménopause donc tant que côte la ménopause moi y a mon a sans agneau ce matin là et ça les sauter. Alors cycle mensuel ouana, il y a deux sortes de cycles mensuels. Tu as un cycle mensuel normal, un cycle mensuel anormal. Cycle mensuel normal, et le cycle mensuel où ils arrivent à 28 jours. Cycle mensuel anormal, et le cycle mensuel où ils arrivent en dehors il y a 28 jours. On appelle tout ça dans deux catégories. Dans le cycle mensuel anormal long, dans le cycle mensuel anormal court. Cycle mensuel anormal long, et ça où ils au délai à 28 jours. Cycle mensuel anormal court, et ça où ils n'a c'est à 28 jours. Après, on peut tout en a deux catégories de sources. Cycle mensuel long, cycle mensuel anormal long, régulier ou irrégulier. De même aussi, cycle mensuel court, cycle mensuel anormal court, régulier, taux irrégulier. Alors, ils ont régulier tant que vous, ils ont après durée ou un an. Mais comme irrégulier, tant que vous avez sauté, moi, après, par exemple, sauté au vide, c'est un cycle mensuel anormal court. Il y a 25 jours. Mais ce qui est régulier, moi, je suis anormal, hormone après 25 jours, écoulement. Tout en se référant à mon couleur, libosso, mon acquis, écoulement, dans mon couleur, je suis en embalassement. Et car, Rwanda, ils ont fait ça, 25 jours. Vous comprenez malamour que moi si où est un cycle à 25 jours à quoi comment on appelle malami balé na sans amour quoi hein? Okay. Parce qu'ils aient à 25 oui, jours oui. Donc amoni les premiers surtout comme les 25 ils sont amoni ils sont même moi si pas dans un cycle mensuel normal il y a 28 jours sauf qu'amoni les premiers le 28 p à comment on les sous vous comprenez. Donc, ils ont différents taux, ils ont confondu les gens qui ont été en train de se calendrier. Ils ont été en train de se faire en train de se faire en train de se. Alors, ils ont comme irrégulier dans le temps où ils ont été. Au lieu de faire le 25e jour, 25e jour, le 25e, 25e jour, 25e jour après, et comme ils ont sauté, sans être après 25 jours. Sans être l'année après 24 jours. Sans être après 26 jours. Il y a toujours un cycle mensuel, anormal, court, irrégulier. Ou bien long, irrégulier. Mais il faut aussi m'avouer. Moi, si j'ai un cycle mensuel, anormal, j'ai une maladie. Ce n'est pas pour moi si j'ai un cycle mensuel, anormal, j'ai toujours un cycle mensuel, malade, il faut... Maintenant, il faut qu'on y ait... Période ovulatoire, naïe, eza, mine, eza, tango, mine. Alors, tout se référé à un cycle mensuel normal. Cycle mensuel normal, ou bien cycle mensuel, nyonso, eza, la kana, deux étapes. Étape à l'ibosso, te bengi yango, avant ovulation. Étape yemibale, te bengi yango, après ovulation. Donc, pré-ovulatoire, post-ovulatoire.
de tangeli ovulation te pot ovulation ça na ngoka ka libération ya ovule oui ko ko zwana ngo 3 à 5 minutes na mokolo ovule wa na tango abimi azana durée ya 24 à 48 heures mais 24 heures au maximum sûr 48 heures est un maximum ou douteux donc à coquille tout comme pas coquille pour coco maté. Alors cycle mensuel on a deux étapes. Le cycle est à 28 jours, chaque étape est à la durée na yango. Il y a liboso et ça la 14 jours, il y a mi balé et ça la 14 jours des sali 28 jours. Maintenant le cycle mensuel anormal des durées et que c'est ni wapi. Après ovulation ou post-ovulatoire, ils ont la stable et bougeraté. Ça, la caca 14 jours. Donc, ils ont phase pré-ovulatoire. Avant ovulation, ne bougeraka. Alors, place où on a essayé, vraiment, tout l'an d'après, tout si maman, ma lame. Pour la nuit. Parce que fertilité, il y a couple, au moins, si elles ont un cycle mensuel anormal, ils ont reposé place. Bah, te belé, bah, tant que l'an a été déqué. Ovulation, ils arrivent à 14e jour. Moi, ça, dans un cycle mensuel anormal, long ou bien court, il y a pour l'arrivée à l'ovulation à 14e jour. Ok. Ce qui te talibé un cycle mensuel anormal court. Tu peux signer qui ça y a. Moi, je suis dans un cycle mensuel anormal court, il y a 26 jours. Aujourd'hui, 26 moins 14. Petit caline à 12. Ovulation, les oeufs, il y en a 12e jour. Tant que vous avez la 14e jour, vous avez le côté de la soupe. Donc, docteur, ce qui te comprend bien, oui. Ton conseil, ma couple, basse à la rapport sexuel régulièrement. Oui. C'est-à-dire, après ma menstruation, à partir du 10e jour, comme tu as évité de préciser, et que tu as tombé sur lui. Il faut noter le comment. Ce qui m'a dit à sa rapport sexuel, moi aussi. Ce qui m'a dit à éjaculer, pour bien dire. Ce qui m'a dit, parce que là, nous sommes en éjaculer dans le mécanisme. Ce qui m'a dit à éjaculer, il faut au minimum 3 jours. En moyenne, 3 jours pour spermatozoïde après éjaculation. On a comme la maturité à vous féconder. Ah bon? Donc il faut qu'on ait un intervalle si voilà. Parce que production y a un spermatozoïde peut dépendre d'un jour. Voilà, ils doivent dépendre d'un jour, mais ils doivent dépendre d'un écart. Il y a la dernière fois où on va aller éjaculer. Okay. Donc mon bali on attend qu'on va éjaculer, il faut au tic à au moins 2 ou 3 jours. C'est pourquoi on dit même temps bah tu sais l'arabe examen à laboratoire y a spermogramme partout n'aka. Intervalle, il y a couplement na bango ezalaki, il y a Nicolo Bonu. Alors, na cycle menstruel, photo zone la quand même ici kawana, où il a na durée il y a mokuse, 28 jours, donc il faut ça la moins 14 jours. Vous avez la période ovulatoire. Vous voyez que période ovulatoire wana, et ça par exemple na 11e jour. Il faut que vous avez mesure assez que 11e jour pour maximiser capacité à ou pourcentage ou probabilité à vous féconder, il faut s'abstenir même 2 jours avant ovulation pour permettre que le spermatozoïde pour un moment on a base à la suffisamment mûr et la capacité il y a pour féconder pour reproduire. Alors ce que tu as dit c'est qu'on a cycle est à long, par exemple le cycle est à 32 jours. Pour ça, la moins 14 jours, on a eu 16 jours. Mais bien, on s'accouplait la 14e jour, on a dit, mais tu s'accouplais la 14e jour, Zemi, il faut un quota. Ok, Zemi, c'est la 16e jour pour un quota. Au moins, Zemi paye. Donc, et ça, par facteur, on a d'abord sur le fonctionnement à moi aussi. Mais ça, c'est ma maladie, nous sommes au quota, et déranger, et fécondité à moi sur. Capacité à revoiser mais à moi si parmi ma maladie on a nous avons par exemple le baptiste ovarien et beaucoup dérangé nous avons appelé également ma maladie organique n'est si bas myome et qu'occupe également pour déranger nous avons appelé infection et qu'occupe quoi pour déranger par exemple l'infection génitale à niveau à vagin et qu'occupe pour jouer un rôle il y a pour détruire parce qu'il y a matosoïde donc on va les retirer.
et vous facilitez vraiment les nécrotatés. Par infection, dans le niveau de la trompe, vous avez une salpingite et vous occupez pour déranger. Docteur, nous allons vous faire service à cause de mode de traitement. Ok. Alors, par exemple, la cause haute de l'évolution hormonale, on peut déjà exclure. Par exemple, la cause. Voilà, il faut qu'on coupe sa hormone, non? Comme vous expliquez, il n'y a pas le moins si peu. Il faut qu'on hormone. Alors, par rapport à la kyste, il faut noter qu'il y a deux sortes de kystes. Kyste ovarien organique, la kyste ovarien fonctionnelle. La kyste fonctionnelle, en fait, les amis, ils n'ont pas quelque proche place au vu la poli, tant au vu l'anabini. Au choix, ils ont encore mal, ils ont la carte, ils ont encore au côté. Ils ont ça là autour d'une kyste fonctionnelle. Alors, généralement, tu utilises quand la médecine classique, la contraceptif oraux. Les permet à quelqu'un ils ont une action hormonale et pour améliorer un peu mais tout ce qui est tant que vous trouvez la contraceptif ils ont empêché que les aimés ça la nini écoute or que couple n'a pas pour ça quand même à soigner du coup ils sont à la recherche n'a pas faut tout le monde ça par molécule ils ont une action pour faire tarir la marijuana et puis pour stimuler dans le corps ou un écomi jaune pour choisir comme corps jaune et comme un corps blanc à part ça kyste ovarien organique. Kyste ovarien organique est cause à la causer la présence de la maille, tout comme également la pu au niveau de l'ovaire. Alors, sur la médecine classique, il faut une opération pour ce niveau-là, pour pas ta ovaire, on a pour et pas sous la quantité. Mais si on a la recherche pour tout ça, tout le monde qui a la molécule, nous juste pour agir comme pour extraire yango. Extraire yango, et puis, le problème est kyste on est allé. On donne des produits qui permettent à ce que la molécule, la liquide, on a à l'extrait et puis éliminer. Ainsi, Moutouana, Azongeli, Naye, Etana. On a un produit qui a recherche à cabinet Nyeka. Voilà. Exactement. Sans qu'il y ait à l'opérer, après 2 mois de traitement, ou 2 mois également au maximum, hein, au maximum 2 mois de traitement, il y a un contrôle, il y a échographie, ou il y a ça qui n'est pas là. On va confirmer que Azali Soussou, na kyste organique T, donc ovaire médicali libre. Soit on a un problème, il y a la salpingite, on donne des traitements également, on peut associer ces traitements avec des séances hydrotubales ou de la hydrotubation pour permettre à ce que la trompe soit ouverte en même temps. La trompe est fumée, la spermatozoïde est volée pas facilement. Alors, cause, il y a la maladie, il y a le myome. Cause ya myome wanande toujours pour ça traitement oyo parce que ba myome est composé na ba tissu conjonctif na ba tissu endomètre ba tissu conjonctif ça ba tissu graisseux et ça va pour ma foute. Alors ba traitement obligé toujours pour ça tout dans la action oyo ça la queue ya moto non pas ya moto c'est pas bien la graisse non ba produit na biso to pour ça ka. Et je vais extraire la graisse digestive. Et je vais permettre que le corps humain se sent en déficit ou en baisse de graisse. Alors il va utiliser les graisses à l'excès. C'est-à-dire à consommer la graisse ou les à l'excès. Entre autres, la graisse ou l'eau. Et je vais faire développer la myome. Voilà. À récupérer en gros. En même temps, ils vont ramollir le muscle. Il y a le tissu, il y a l'endomètre. On a pris la place. Du coup, moi, si on a un problème, il y a myome. Sans passer par une opération, agir par produit, mieux moins et si l'utérus est calibré, zému et hypocota et femme de placement. C'est vrai que ça peut arriver que moi, si pas un million, aïe à Kumba pèse zému. Ce qui, ma masse ou un est bouché, place zému au volet caté. Et que c'est une grossesse aussi, et c'est une rabale en de la moti, tant que commis à terme. Moi, je suis en abo par césarienne. Wana ba olandeleka na cabinet nyeka. Exactement. Donc olandelaye, après tant que j'ai eu la contrôle naye, va faire ce rapport que l'utérus est là qui n'a myome éthicali vide, c'est-à-dire l'utérus éthicali normal. Net que tu traitement associé à la psychothérapie pour te reposer sur le zem. Ce qui zem est côté, tu passes sur quoi on a suivi à zem. Il y a un moment où il y a une salaki que le traitement de la grossesse, il y a stérilité, c'est là-bas. Patience. La étape est le qui moi-même. La poche moulaï, Pé. Si que docteur, est-ce que
tant besoin de soigner, si tu te conclure l'émission, tu peux généraliser les deux cas. Tant besoin de soigner stérilité dans le couple. Oui, il faut que vous en abîmez. Comment vous avez en particulier pour l'année là-bas, on peut l'alimentation là-bas, on peut la crise. En fait, alimentation comme telle, quelques conseils alimentaires, oui, ils ont un côté exophage, il faut caca pour vous arrêter, non. Ou bien il faut éviter caca pour vous arrêter, non. Mais, sauf que tu es dit qu'ils ont un babilo comme ils jouent à parole, surtout et pas à Mobali. Ils ont un aliment sous ce joueur parole, la fertilité à moi si le te conseil à moi, ok, non. Au gros, pour Bandapolia, moi, mingé loco boye. Au gros, pour Bandako, salé la moi, mingé loco boye. Et Gosunga, pour tout pour avoir un résultat, la douce moi, donc, tu peux conclure pour le bac, dans le cabinet, Nieka, stérilité dans le couple, et aussi là. Et aussi là. Donc, le couple, il a commis pembe ni à Kokabwana. Oh, papa. Donc, assis à l'embi, gofana nanda, oui, maman, belle famille, fingi jusqu'au point que peut-être Aluka kende musika, a kende na été aya na cabinet ni kanalomba. Non, aya, tu peux consulter, tu peux capter, ben qu'est-ce qui empêche que Zemi aya, celui qui a te découvrir yango, te soigner yango, après qu'on soigne, car un engue maître n'a plus à zala koloba, tu retires la bango pelle, na type auto vite. Attends, M. Zéro Kanga, papa, vous avez bien aimé. Docteur, vous avez un peu de temps pour tout vite. Vous avez une adresse, vous avez une Kinshasa, vous avez un cabinet qui est dans le croisement des avenues Kassavou, vous avez un rond-point Marianne. Oui, oui. Vous numéro 8, vous avez un docteur Angèle, vous avez un papa Tristan Day, vous avez un papa. Mais dans le Haut-Katanga, toza wapi? Dans le Haut-Katanga, toza na balabala ya Kasapa, na niveau ya arrêt dispensaire. Sauf que dans la centre-ville, à partir de la poste, aux hommes, tu peux être na Kasapa. Tant que vous avez un arrêt dispensaire au Kiti, na 50 mètres na balabala. Au moment, immeuble à gauche, na gauche. Immeuble à un étage, voilà, na gauche. Et toza na kati immeuble, on a au moment, du banda que tu affiches, il y a centre médical, il y a. Ok, pour la besoin de prise en charge, ma maladie n'y a pas de traitement à peine à Kinshasa. Voilà. Merci beaucoup, docteur Fiston, pour la explication. Na banza ke bandeko balandi. Na bisika n'y a pas de besoin. Au baroulande, on est en train de faire les réseaux sociaux. J'espère que baza suffisamment informé. Na o etaleli infertilité na kati na couple. Donc, bandeko bozo landa biso ko banga na bino. Papa peut être qu'on relouque la maman. Moi, si je suis libanda, t'es pour que robot. Bon, qui m'a mis mon adresse, docteur Apesi, n'a pas numéro. Docteur Apesi, son numéro, il y a contacté. Oui, au nom de Sazan, pour ça, il sera contacté. Il y a plus de 243 89 98 22 130. Plus 281. Oui, 081 172 92 26. Ok, à partir de ce numéro, on a reçu le docteur Fabrice à couper son explication. Si vous avez un Katanga, vous avez un Kassapa dans le Lubumbashi. Si vous avez un Katanga, vous avez un si tu peux facilement arriver dans le Lubumbashi, au cas contraire, à orienter au Poya na Kinshasa. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt. Vous avez un témoignage. Au revoir. We'll be right back.